Cette mission, c'est une mission d'inventaire des ressources humaines, des équipements, du patrimoine foncier et du patrimoine bâti de ces centres que polarise le ministère de l'Agriculture, euh, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est une mission de prise de contact, mais aussi c'est une mission d'information. Parce qu'en réalité, le ministre Alingouindjay a satisfait une vieille doléance depuis plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, tous les formateurs vont aller soit à l'NCTP, à l'Université de Dakar, pour avoir le diplôme pédagogique, soit à Derina pour avoir le diplôme pédagogique. Malgré les efforts du ministère, le conseil est là. Tous les six pas de la zone sud, vraiment, et même de la zone nord que nous devons effectuer, sont dans des états de, de délabrement extraordinaires. Même le SNAFTA de Gégenchor, qui forme les techniciens agricoles, Aujourd'hui, en train d'être euh, vraiment occupé par d'autres populations, par l'université qui est à côté de nous. Donc, nos terres sont en train d'être empiétées par d'autres structures. Alors que c'est ici que nous formons nos techniciens à, à, agricoles. Donc, la situation est alarmante, surtout au niveau du pas de Giganjore. Vous voyez derrière moi, c'est un abri provisoire qui forme des jeunes dans les métiers de l'agriculture. Donc la situation est très délicate et je sais que le ministre Ali Mounia, comme il l'a fait avec les formateurs, il sera notre avocat auprès de son excellence le président Makissal.